Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Douache et on se retrouve pour le dernier épisode de Slime Rancher. Et oui, alors je tiens déjà à mettre les choses, les points sur les i, les choses au clair, tu vois. Je n'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pourra pas réellement dire qu'on a fait un 100%, même si on est très proche du but. En fait, la seule chose qui nous manque, c'est poser quelques décorations ou voilà, enfin, c'est en bas là, c'est en bas que ça se passe quoi. Le seul truc en fait qui pose problème, c'est que j'ai besoin de certains matériaux qui arrivent trop rarement dans le jeu, tu vois. Genre tout ce qui est en rapport avec la foudre, cristal de foudre, grain de foudre, cristal de dérive ou je sais pas quoi là, tout ça, c'est ultra rare. Ok, et ne me faites pas dire oui, moi j'en trouve tout le temps parce que j'ai fait genre 15 heures de hors caméra, ok. J'ai déjà acheté tout ce que je pouvais acheter. Alors regardez, dans les améliorations, on pourra pas tout avoir non plus. Parce que là, il me faut une sève solaire et les sèves solaires, c'est l'enfer. Je suis allé, je sais pas, sans vous mentir, peut-être 15 fois environ, aux alentours des 15 fois, dans le biome neige, avec des temps, des espaces très limités, tu vois. J'y suis allé, je sais pas, toutes les heures, un truc comme ça. Jamais j'ai trouvé de sève solaire. Donc le mec qui m'a dit, oui, t'achètes pas la sève solaire, quand je l'avais trouvé pour la première fois, il avait raison. Fallait pas la jeter. J'ai acheté, du coup, le dernier module de vie et le dernier protect à réservoir. Voilà. Les autres, on pourra pas, mais dans tous les cas, c'est pas grave. Voilà. Sève solaire, ça, on sait ce que c'est. On n'a pas de sève solaire, c'est pareil. Ici, qu'est-ce qu'on n'a pas? Tout ça, on a, en fait. Et décoration. Tac. Décoration, il nous manquera des trucs. Et aussi là, là-dedans. Dans aide, il nous manquera ça. Des trucs comme ça, des trucs à haut, les podiums. Ah, podium, on pourrait le faire à la limite. Mais enfin, bref, c'est pas très grave. On va poser les dernières décos que j'ai achetées. Regardez ça. J'ai acheté quelques décos. C'est pas des trucs qui cassent des briques. Mais bon, ça fera le taf, ok. Alors, déjà, j'ai ça. Le petit drapeau. Voilà, le petit drapeau. Après, il faut savoir aussi que. Il y aura des mages encore sur Slime Rancher, hein. Le jeu étant encore en bêta en fait, donc il y aura des trucs en plus, on le voit bien de toute façon, il y a pas mal de points d'interrogation encore en bas dans les laboratoires en bas là. Donc il y a des décos qui vont arriver avec le temps, des trucs comme ça. Alors pour le potager, je vais mettre le drapeau, je sais pas moi, like, ici, hop, ici, non, ah oui, attendez, le drapeau, là c'est... Voilà, pourquoi pas. Une statue de slime. On va la mettre là. J'en ai deux, j'en ai acheté deux, je suis trop bête. Mais ok, pourquoi pas. Deux slimes. Ici, j'ai un pot de fleurs. Donc le pot de fleurs, on peut le poser ici au milieu. Bah oui, c'est cosy. J'aime bien décorer la base, franchement, c'est sympa. Petit lampadaire ici. Là, on a encore un truc un petit peu plage. Donc ça, je peux le mettre ici. Et on a une flamme. Je vous avoue, ça, je sais pas où le mettre, hein. On va le foutre comme ça, hein, franchement, à l'arrache un petit peu. Le drapeau fruit. Le drapeau fruit avec les fruits, hein, logiquement. Ça, on est tous d'accord. Voilà. Ensuite, on a le truc à accélération. Alors, ça, c'est plutôt utile, donc c'est pas à but décoratif. On va le poser... là, regardez, attendez. On va tester, hein. Comment que ça se passe? C'est là-bas, non? Ça pointe vers où, en fait? Ah, d'accord! Ramasser, en fait ça se positionne comme ça plutôt. Attendez, voilà. On va essayer de... Non, pas encore. En fait faut viser là-bas là. Voilà, fais voir. Ok, normalement c'est bon, je vais essayer de jeter des plortes et que ça passe là-dedans directement. Quitter le mode, voilà. On a posé toutes les décos que j'ai farm. Bon, j'ai passé énormément de temps à farm tout ça, mais ok. On va se faire un petit peu de tunasse pour voir si on peut pas acheter quand même quelques autres décorations. Vite fait. Hop. Mais sinon tous les enclos sont maxés. On a récupéré toutes les capsules d'amélioration. On a visité toute la map. On a tous les fruits, toutes les poules, tous les slimes. Franchement, au niveau du 100%, on est bien, hein. Là franchement on est pas mal du tout. Fais voir le truc là. Ah non, dommage, on pourra pas. On pourra pas faire le truc que je voulais, mais c'est pas grave. Ok, tout ça, on va le mettre ici. Mais quand j'ai fait la liste, il fallait 500 plortes de trucs, 300 plortes de trucs. Il fallait je sais pas combien de trucs avec les éclairs. Ouais, les gars, c'était aberrant un petit peu là. Aberrant. On va faire le podium slime pour voir comment ça fonctionne. Alors, podium slime. Ah, on peut pas, il nous faut encore deux plortes roses. C'est quoi ça? Cet appât spécial peut être utilisé pour attirer des slimes. Légumivores sans leur faire du mal. D'accord. Moi je m'en fous de ça. Ça j'aimerais quand même bien le crafter parce que ça reste la base du 1. On se rappelle du Slime Rancher 1. On a un ventilateur. On peut faire pas mal de trucs en fait. Il nous manquait juste de l'argent. Butoir. Ok, butoir on s'en fout un peu. Ouais, écoutez, il nous manque juste de l'argent. Vous savez quoi, on va débriefer de ce let's play et en même temps on va farmer. On va farmer un tout petit peu. Et pour farmer, ce que j'aime bien faire moi, c'est dormir. Comme ça.
hop, dormir jusqu'au matin. Je vais encore dormir jusqu'au matin, un jour de plus. On est arrivé au jour 69, les gars. C'est énorme. Énorme. Regardez-moi ça. Plein de trucs qui poussent. Oh, regardez les poules. Et les poules, c'est toujours aberrant. Les poules, tu dors de nuit. C'est aberrant. Voilà, regardez ça. Tac, 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 tac. Bonsoir, bonsoir. C'est moi. Voilà. Merci bien. Les coques ici. Tac. Et les slime œufs, j'ai vraiment trouvé comment faire. C'est pas compliqué, effectivement, faut aller juste les mettre dans l'enclos des poules et ça pond des œufs. Ouais, des gros œufs tout seul comme ça. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Moi, j'aime bien l'idée. Ici, on va les nourrir parce que eux, ils ont faim sa race tout le temps. Hein. Regardez ça. Voilà, voilà. Je vous donne tout ça comme poule. Voilà, vous mettez bien. Vous, je vous donne les fruits parce que vous kiffez les fruits. Hein, je vous connais. Mais bref, sinon, dans ce let's play, pour un petit débrief, j'ai énormément kiffé hein, ce let's play. Voilà, le 100% était un peu chiant, un peu long. Ce que j'ai vraiment kiffé, c'est la découverte. Hein. C'est comme ça dans tous les jeux. Mais c'est vrai que le 100%, oh, c'est l'enfer. Hein. C'est l'enfer, là. Tiens, prenez ça. Bon, eux, ils vont pas me donner grand-chose, forcément. Tac. Et là, je vais tout vendre. Je vais tout vendre comme ça. Voilà. Regardez tous les slots qu'on a. On a 6 slots dans l'inventaire. Et en fait, les améliorations, c'est extrêmement important, je dirais, dans le jeu aussi, parce que quand on les a, on se met super bien. On peut explorer toute la map. Je tiens aussi à dire que pour le 100%, on a fait tous les gordos, on a tout pété. On a fait quoi encore? On a ouvert toutes les portes, hein, là où tu dois mettre les portes dans des statues slime. On a tout fait. Donc je suis content, moi. Je suis content. J'ai quand même encore un tout petit doute sur un gordo. Je crois que celui-là, c'est peut-être le seul qu'on l'a pas fait, mais j'ai un doute. Dans tous les cas, on va aller vérifier à la fin de cet épisode pour dire que bon. La seule chose qui nous manque pour le 100%, ce sont quelques décorations, c'est rien de méchant. Hein, et peut-être qu'on les fera un jour. En attendant, on va laisser couler. Hein, parce que Slime Rancher, j'ai assez ma dose au niveau du 100%, c'est répétitif. Surtout quand tu sais que le gars, il a quand même fait 15 heures dehors caméra. C'est assez relou. Voilà, je vais vendre tout ça, c'est pas mal. C'est quoi le plort qui vaut le plus cher ici? Pour l'instant, à l'heure actuelle. Oui, bon, le truc or, mais c'est lui là, le mauve. Ouais, mais le mauve aussi. Le mauve, on en a que un. Hein. Le slime dervish est super rare. Allez, on va acheter des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut acheter ça. Ventilo. Pour la plupart des éleveurs, ce ventilateur est simple. Et simplement un moyen de se rafraîchir. Quand il fait chaud. Mais vous n'êtes pas comme les autres éleveurs. D'accord, je sais pas ce que ça signifie, mais ok. Là, il nous manque deux plortes. Pourquoi pas? On a pas un autre truc qu'on peut acheter en décoration juste là avant? Tout ça, on a acheté. On a acheté déjà. Ok. Oh oui, ça, on n'a pas acheté ça aussi. Non, ça, on n'avait pas acheté. On va acheter un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on n'avait pas acheté encore? Tout ça, on a pris. Les bonhommes de neige, on avait pris. On va acheter. On va acheter. Ouais, ouais. Tout ça, on pourra pas faire. Je suis vraiment déçu pour le carrousel. Grain de foudre. Ben voilà. Grande roue, je suis déçu aussi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, verre de tempête, c'est ultra rare. Waouh, c'est ultra rare. Bref, tout ça, on a acheté. Ok. Ici, du coup, on peut acheter. Hein. Ça. Et hop là. Ça. Et hop là. Le ventilo. Et hop là. Et ça. Et voilà. Et ça, c'est quoi? Il me faut origine d'huile. Bon, c'est pas grave. Ok. On a déjà pas mal de trucs en plus. Regardez. Attendez. Tac. Voilà. Voilà. On va équiper tout ça. Tac. Et tac. Ok. Donc, le ventilateur, à mon avis, ça doit avoir une fonctionnalité un petit peu secrète. Je sais pas quoi, mais pourquoi pas. Ventilateur, je sais pas où je place mes trucs. Je sais pas où c'est quoi le mieux, mais je sais pas du tout. Alors là, ok, on a ça aussi. Ça, on peut le placer à côté du potager, puis ça reste dans le thème. Ouah, ça a pondu un œuf là. J'ai entendu. Le butoir. Butoir non plus. Je sais pas ce que c'est aussi. Ça, franchement. Butoir. À ce qui paraît, si on lance un truc dessus, ça rebondit. Ok, why not. Le bonhomme de neige. Voilà, à côté de l'autre truc de neige. Hein. Ça n'a aucun sens, mais why not, j'ai envie de vous dire, vraiment. Ça, à côté de l'autre truc de lave, peut-être. Fais voir. Ouais, pourquoi pas. Et le fruit. Le fruit à côté du potager aussi. J'aime bien un petit peu tout regrouper, moi. Regardez ça. Ok. Et il nous manque plus qu'un truc. Tac, il nous manque ça. Alors... ça, on peut le mettre genre à l'avant de la base. Ou non, j'ai jusqu'à présent, j'avais tout mis dans la base et tout. Ah, il faut un temps de... Ok, il faut un temps d'adaptation pour le système et tout. Est-ce que j'avais d'autres trucs peut-être ici? Non. Non, j'avais rien d'autre. Hein. Bon, bah, pas de soucis. On a tout posé pour l'instant.
La base commence vraiment à avoir un bon effet, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup les décos qu'on a posées. On a encore un petit message. Victor, Béatrix, j'ai réussi, j'ai déchiffré le code super mystérieux qui m'a été envoyé. Il était incroyablement complexe. Je pense que l'IA qu'il a créé a une intelligence comparable à la mienne. Wow, le gars. Oh, donc très avancé. Oh là 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 là. Et Ersta Terrestre. Le... Ouais, normal. Ah oui, tu te demandes sûrement ce qu'elle disait. Eh bien, j'ai déterminé que cette IA mystérieuse peut être même hors de ce monde. D'accord. A envoyé un message qui dit... Bonjour. Ce n'est pas grand-chose, mais au moins elle est courtoise. Mais le plus important, c'est qu'au moment où je l'ai déchiffré, j'ai reçu un autre message. D'accord, donc elle a juste dit bonjour. C'est presque comme si cette mystérieuse IA me surveillait, c'est incroyable. Je ne l'ai pas encore décrypté, mais le code est considérablement plus complexe. Voilà qui devrait être drôle. Allez, je retourne travailler comme toujours. D'accord, donc lui nous redonnera des nouvelles un jour, ok. Alors comme ça, Béatrix Lebeau est partie vivre une nouvelle aventure et n'a pas pensé à amener sa pote et parfois rivale ainsi que mentor éternel, Mosh Miles. Sérieux Béa, la prochaine fois que tu bouges vers des territoires dangereux et inexplorés, tu pourras au moins me prévenir. J'aimerais être là au cas où tu aurais besoin de moi. Pour ramasser toutes les précieuses ressources qui semblent disséminées partout dans l'île, ok. Quoi, tu me connais quand même, évidemment que j'ai fuiné. Les satellites de surveillance sont là pour ça, non? Enfin bref, fais gaffe à toi, l'île me paraît assez bizarre, donc je vais continuer à fouiller. Oh, et comme je sais que tu pars de rien, prends ce lien de raffinerie, il devrait te faciliter la vie. Je vais te mettre... Ah, je vais les mettre sur ton ardoise. Allez, à plus dans le bus. Wouh, on a un lien de raffinerie. J'aurais dû lire mes messages depuis le début, j'adore ma vie. Bon, bah ok. Allez, je vais prendre tout ça, on va renourrir quelques petits slimes. Voilà. Hop, 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 hop. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce let's play. Moi, ce que j'ai le plus kiffé, comme je veux dire, c'est vraiment la découverte. Et quand on découvrait des poux, des fruits, des slimes. Oh là là, encore un nouveau message. Ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie à ce niveau-là. Victor. Putain, Victor, il dit Marcel. Puisque tu sembles apprécier fabriquer des gadgets, tu t'es préparé un petit cadeau de bienvenue pour soutenir tes efforts. De bienvenue, on est à la fin du let's play. J'ai hâte de voir ce que tu vas construire. Station médicinale. Wouah, wouah, table de serre. Ok, chaise de serre. Non mais le gars il m'a fait trop de cadeaux là, c'est un délire. Bah merci. Merci. On peut faire ça du coup, on peut poser. Y'a pas de souci. Bah ça du coup c'est parfait, il manquait des trucs un peu ici je trouve. Voilà. Hop, on peut mettre une petite chaise. Monte sur la table. Voilà. On peut mettre une petite chaise ici et ici. Encore une petite table. Tac, voilà. Voilà. Oh là là, j'adore. Merci pour les décorations. Eh, notre base, elle commence vraiment à être belle, hein, mine de rien, franchement. Donc regardez, l'œuf, du slime œuf. Bam. Il y en a 3 plorts. 4 même. Je vais exploser au bon moment celui-là parce qu'il n'aime pas tout le temps le même nombre de plorts en fait. Hop là. Alors, on a encore des fruits ici. Merci bien. Tac, à mon avis, le nombre de poules là-bas, là. Attendez. Tac. Tac, je vais récolter tout ça. Le nom de poule là-bas derrière, ça doit exploser. On va aller voir, on va se vendre une petite barre là, je pense. Hein. Oh mon dieu. Allez, on y va, c'est parti, on va regarder. Donc oui, je disais, avant qu'on me coupe à chaque fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce let's play en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Vous êtes déjà nombreux à me demander si je peux faire le Slime Rancher 1. Waouh, pour l'instant, les gars, j'ai ma dose de Slime Rancher. Enfin, je vais pas vous mentir. Je suis content d'arriver à la fin de ce let's play parce que, ouais, leur caméra m'a gavé, hein, vraiment. Mais peut-être. Peut-être un jour. Je sais qu'il y a d'autres slimes dans Slime Adventure 1 et tout. Ça peut être vraiment fun. Le nombre de plantes est aberrant ici. Hein, vraiment. Hop. Non, ça va. Les poules sont tranquilles. Ok. Donc, on aura vraiment tout crafté. Hein, que ce soit les silos, les potagers, les enclos. Ouais, on aura tout fait. On aura déverrouillé toutes les zones. On aura maxé tous les enclos. Voilà. Au niveau de la serre, on est vraiment bien. Hein, comme dire, est-ce que quelques décos... Bon, voilà. Est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? Allez, prenez ça. Il me faut des plantes roses encore. Voilà, prenez tout ça. Vous prenez ça là. Regardez, ils sont pas contents, ils sont pas contents. La tête qu'il a tirée celui-là, c'était épique. Hop, hop, parfait. On va aller là-bas. Non, on n'a pas encore pris assez de poules. Tac. On récupérera les plortes après, hein, vous savez quoi. Là, il y a beaucoup trop de choses à faire encore. Tac. Ok. Des poules, s'il vous plaît. Des poules. Des poules. S'il vous plaît. Bon, on n'a pas beaucoup de poules, hein. 3 poules, c'est pas ce qui va faire mon affaire à moi. Voilà, des coques, on aura plus de poules, enfin de coques que de poules. Nickel. Ok, on y va, c'est parti. On va aller nourrir les slimes qui sont un peu bah, vers là-bas, plutôt. Ok, bon, j'ai vraiment hâte là. J'ai hâte de voir si on peut acheter d'autres décorations et tout. Les fleurs de terre.
un de mes slimes préférés. Si je devais définir un slime préféré, franchement, je saurais même pas. Je vous avoue là. Alors surtout pas eux, hein. Oh, eux ils sont casse-couilles là. Oh mon dieu, ils explosent partout. C'est ceux qui font le plus de dégâts à chaque fois. Horrible. Horrible, horrible. Mais ouais, les pleurs chiroptères, je dirais qu'en fait c'est mes préférés. Ils sont trop mignons. Ils volent et tout, trop cute. Vous avez vu. J'aime beaucoup l'idée. Allez, 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 allez. Hop, quelle satisfaction d'avoir terminé ce jeu dans la grande partie. Je pense qu'on peut dire qu'on a fait au moins 90% des trucs. Malheureusement, on n'aura pas récupéré tous les items. Donc le Slimepedia ne sera pas complété à 100% parce que tout ce qui est foudre, tout ça, à part les vers de foudre ou je sais plus quoi là. Ça, on a, mais le reste, grain de foudre, cristal de dérive. Cristal de dérive, je sais hein, pourtant comment on les a. Faut rencontrer des tornades. Et il y a des cristaux qui spawnent. Mais bon. J'ai pas eu cette chance encore là. Enfin, j'y ai pas pensé en tout cas quand c'est arrivé au tout début. Hop. Oh là 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 là. Tout ce qu'il y a encore ici. Hop. Allez, 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 allez. Merci bien. Vous, j'ai pas de poule. Où je peux récupérer vos plortes. Tac, merci. Allez, on va bientôt arrêter. Parce qu'il faut encore que j'aille voir le gordo rocheux, pour le faire péter. Parce qu'en fait, ouais, je crois que je l'ai pas fait péter. Là, doit y avoir un truc comme ça, hein. ça me dit quelque chose. Hop, vous prenez ça encore. Merci. Hop, donnez-moi tous vos plorts. Parfait. Bing, 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 bing. J'aurais pu coupler les slime nectar. Les slime nectar, oui. Les slime papillons, mais slime nectar, ça marche aussi. À d'autres slimes. Pour justement, comment dire ça, pour justement que je puisse avoir des plortes papillons, parce que s'ils mangent que du nectar, ça va être compliqué d'en avoir des plortes papillons. Mais je l'ai pas fait parce que j'aime bien avoir un peu tous les slimes en format standard, on va dire ça comme ça. Ok, ça c'est bon. Qu'est-ce que je peux acheter encore? Putain, l'argent monte très difficilement. Hein. Qu'est-ce que je peux acheter? Alors, c'est ici dans aide. Alors du coup, c'est quoi le lien pour la raffinerie? Ah oui, il est là. Bien pour la raffinerie, il manque des saumures profondeurs, ça va, j'en ferai pas, ça sert à rien pour l'instant, mais ok, ça passe. Oh non, de la cire d'abs, on pourra pas faire le podium. Oh, je peux faire le canon par contre. Oh, le canon, voilà, le canon. Ok, j'ai acheté quelques petites décos encore. Regardez, tout ce qui est un peu enneigé comme ça. Hop, allez, parce que ça, je sais même plus si je les ai posés en fait, donc je me dis, vas-y, tant qu'on peut les acheter. Voilà, voilà, et le canon, j'ai hâte de voir ce que le canon va faire. Normalement, on peut se propulser, on peut propulser des trucs en tout cas. Alors, ça, je ne sais pas, d'accord. Je ne sais pas où je vais poser vos trucs enneigés de mort là. Voilà, un gros coin biome neige. Je peux pas poser ça là, ça là. Oh, voilà un gros coin biome neige. J'avais déjà posé un arbuste. Bon, écoutez, on peut poser un arbuste ici encore. Ça, wow, la taille du sapin est waouh. Ok, hop, ici comme as. Ok, c'est bien. Si seulement des cèpes solaires pouvaient pousser là-dessus, ça aurait été super bien. Ça, il y a un escalier ici. Je peux le mettre là, là. Ok, et le canon. Alors, le canon, je sais pas à quoi ça sert. J'ai encore le poser dans un endroit de merde, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, non, je sais vraiment pas où le poser. Hein. Je vais pas vous le poser vos trucs là. Là là, comme ça là. Bam. Fais voir. Quitter le mode, ouais, vas-y. Activer. Ah d'accord. Fais voir. Non. Je comprends pas comment ça marche. Ah, c'est pour expulser des slimes peut-être. On va tester. On va tester tout de suite. Est-ce que j'ai des petits slimes là à proximité? Ok, on va les prendre dans la grotte là-bas. Normalement, on peut expulser des slimes. Ça a l'air vachement fun. Pour le gordo, du coup, il nous faudra que des légumes. Hein. Faut y penser, donc tous les fruits là, ils nous servent vraiment à que dalle en fait. Des slimes. Tiens, je vais essayer de propulser un slime ici. Hop, hop, hop. Alors, vous aimez bien les fruits? Non, du coup, je vous donne des carottes. C'est normal. Alors, fais voir. Attention. Non. Comment ça marche le canon? Je comprends pas là. Ah non, c'est là qu'il faut mettre. Regardez. Boum. Ah ouais. Ah ouais. Oh, presque dans le truc là, tu sais. Oh, le délire, on pourrait faire un parcours et tout. Mais non, on va pas. Oh, je peux jeter un slime. Waouh. Ok, pourquoi pas. On s'extasie un peu pour rien, mais c'est pas grave. Au revoir. Le pauvre, je suis désolé, mais bon. Tu me sers plus à rien.
Bon bah ça je peux vous le donner à vous hein. Je vais pas garder tous ces fruits là pour rien. Hop. Oh vous aurez des fruits jusqu'à la fin de vos jours. Allez 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 allez, prenez. Parfait. Bon ok pour ça. Bon clairement là si le Gordou il a pas assez avec ce que je lui ramène là, 63 de bouffe au total quand même, je me poserai des questions. On va y aller hein. Du coup c'est parti. Juste je me suis rendu compte que j'avais pas acheté un truc ici. Donc je vais l'acheter. Hop. Tac. Le truc phosphorescent je le compte pas hein, parce que ça ça sert vraiment à que dalle. En plus ça rend un peu les enclos pas moche mais différent. D'ailleurs je viens de me rendre compte que je peux emprunter le portail parce qu'on a relié toutes les zones entre elles. Ça fait partie du 100% à mon sens. Le portail c'est celui là. On va se laisser avec une explosion d'un gordo. J'avais rien d'autre hein, dans mon inventaire. Non c'est bon. Ok. Alors normalement il doit être vers là-haut, le Gordo. Le bâtard, il est bien caché, hein. Il est vraiment très très bien caché. Et ça a été une mission de trouver toutes les capsules d'amélioration. Alors j'ai dit que je vous ferai des tutos. Faut que j'y réfléchisse, faut que je voie si vous, ça vous branche vraiment et tout. S'il y a plus de 100-200 personnes qui me demandent, ok, je le ferai des tutos. Comme ça, ça pourra vous aider, pourquoi pas. Ok, on se fait attaquer là. On se fait attaquer là. Je nettoie la populace, y a pas de soucis là, y a quoi. C'est lui là, du coup, le Gordo, non? Ouais, regardez, je le vois, il est là. Oula. Ok, tac. Allez, parfait. Du coup, comment on va y accéder à celui-là? Oh, aïe, c'est une bonne question. Peut-être que je peux un peu monter petit à petit comme ça. Que je peux monter ici. Oh oui. Oh oui. Tac. Ensuite, je peux monter là. Ensuite, ici, carrément. Oui, parfait. Tac. Et bonsoir monsieur, je te donne des betteraves, t'adores les betteraves, regarde ça. Oh il a déjà grossi pas mal hein. Tac, allez, tiens, prends tout ça. Allez. Ouh là 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 là, il grandit, ok c'est bon. Oh ça pète. Ok c'était juste une petite issue de secours, on va dire ça comme ça. Bah écoutez, pourquoi pas hein. Allez tenez, c'est cadeau pour vous. Les dernières carottes, tiens toi là-bas. Des cadeaux, tac. Et puis voilà. Sur ce mesdames et messieurs on va regagner notre maison. Oh une capsule d'amélioration. C'était là où il y avait le jetpack en plus. On va regagner notre maison. Du coup on va descendre. Tac ici. Hop. On va aller par là-bas. Aïe. Mais c'est pas possible. Bon. Alors ça a été un immense plaisir d'avoir fait Slime Hunter avec vous. Bien sûr, je le redis, mais le 100% n'a pas vraiment été fait. Il y a peut-être des trucs qui nous manquent. Hein, ça sert à rien de me le dire dans les commentaires, je le sais très bien. C'est quand même moi qui ai fait la partie. Ça a été un kiff. Hein, franchement, quand on a découvert les biomes et tout, biome neige. Et mon biome préféré, je pense que c'est le biome neige en vrai. Notre base est là-bas. On va la rejoindre. Tac. On n'avait pas eu beaucoup de chance aussi avec les slimeurs et les slimes chanceux. Voilà. Slime chanceux, pas beaucoup de chance. Mais bon, j'ai lu toutes les abeilles aussi. Les petites abeilles robotiques là. Donc voilà, tout est bon, tous les téléporteurs sont activés. Vous voyez, on a fait une grosse partie du 100%. Je peux dire qu'on a fait au moins 90% du jeu hein, franchement. Là. Et encore, je pense même plus. Parce que le seul truc qui nous manque c'est quelques décorations ou quoi. Mais bon. Oh, bah voilà, same or, regardez. J'ai pas de chance avec les same or. C'est pas grave, sur ce voilà notre base mesdames et messieurs. Petit slime ici, regardez ça. Il est pas content, hein. Oulala. Et puis notre base est belle. Elle est belle notre base. Voilà, là. Bah, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour le Let's Play de Slime Rancher 2. Sur ce, les gars, c'était Doh. Et on se retrouvera dès qu'il y aura des mises à jour pour Slime Rancher 2. Bah, du coup, sur ce jeu-là, c'était Doh, les gars. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous avez pensé de ce Let's Play dans l'espace commentaire. Bye, tout le monde.